Bonjour et bienvenue, nouvel épisode. Épisode, je sais plus, 18, 19, 18, je crois. donc la dernière fois, on avait fait une mission de récupération qui s'était plus ou moins bien passée, honnêtement. On va dire que c'est bien passé. Notre scarab a pris extrêmement cher, donc on va devoir rentrer. On pourrait s'arrêter là pour réparer le scarab. Ouais, non, mais jamais il se fasse réparer. Non, on va rentrer. On avait dit qu'on voulait rentrer. Après, j'ai envie de dire, on peut... j'en sais rien. Il y a plein de choses qu'on doit faire en même temps. C'est fou. Honnêtement, je crois que c'est encore plus stressant que... Comment ça s'appelle ? XCOM, honnêtement. Ce qu'on peut faire, c'est rentrer avec le Manticore. Comme ça, il rentre le Scarab. Et avec l'Hélios, on continue ça, les points là qui sont là. Et après, on va faire... J'avais envie de commencer le Syndicat du Chaos. Commencer le Syndicat du Chaos, je pense. Ok, Hélios là, toi c'est bon. Ouais, go. Ah bah merde alors. Mon dieu. Ça a l'air vénère par contre. Mince. Ok, ça va. Ça va être chaud. Ça va être chaud parce qu'on n'est pas vraiment prêt. Enfin, on n'est que 5. Bah après, honnêtement, avec un... Avec le machin, on n'aurait jamais pu. Quoique, attends. Il est où le Manticore, là? Peut-être qu'on peut prendre le Manticore, quand même. C'est juste qu'on le bouge pas. On le laisse extrêmement loin de tout. On le laisse extrêmement loin de tout. Ça peut être une chose. Ça va un peu... Les Pandoriens, citadelle pandorienne, on connaît pas. Technologie virale pandorienne. Pandorien, une armée de mutations avec des effets instantanés pour les déploiements du site de combat. Waouh. Scylla Xenagos. Mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et après, Myrmique Cosmique. Ok, cool. Non, il arrivera pas à temps. Alors ça... Peut-être déjà un chargeur. Bon, maintenant... Ah oui, par contre, on a du... Oui, on a du laser, maintenant. On a un chargeur. Ça, ça peut être intéressant. Le gosse fait plus mal. Donc plus vraiment... Ah mince, on n'a pas de chargeur. Enfin, après, on peut en faire, hein, à la limite. Hein. Vas-y. On peut être cheap, mais faut peut-être pas exagérer non plus, quand même. Hein. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. Matériaux et de technologie pour un chargeur. Très bien. Tu peux voir un peu la différence? Le go c'est mieux. On a un chargeur? Oui, on a.
Très bien. Enfin, après, non, la différence entre... ça reste quand même que le nôtre est techniquement mieux parce qu'il y a plus de rafales, donc il y a plus de dégâts. Il est plus précis aussi, un tout petit peu. Après, le laser, c'est juste que le Ghost, il déchiquette en fait. C'est ça la différence. Allez, on y va. Ouais, on serait jamais arrivé à temps hein, avec le... l'autre vaisseau. Jamais. Jamais ça passe. Jamais ça passe. Donc c'est vrai que ceux-là, bah, ils sont vraiment utiles. Ils sont vraiment utiles, ils vont vite. Ils vont très très vite même. Donc c'est pour ça qu'un deuxième serait vraiment le bienvenu. Vraiment, vraiment le bienvenu. Waouh, c'est quoi ce bruit? Pourquoi ça gueule déjà? Par contre, on n'est pas nombreux. Ok. Ah, il y a ces trucs-là, fait chier. Comment on monte? Ah, par là. I'll be right there. Toi, t'es quoi? T'es une mitraillette, évidemment, t'es une mitraillette. I'm on the move. Ok, ça c'est un nanu. Très bien. Target located. Oh non! Sans déconner. Aïe 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 aïe. Moving in quick. Qu'on mette les snipers en hauteur en fait. Going in. Il y en a deux? Ok, elle est un peu bizarre ta vigilance. On a aidé les mecs d'Anu. J'ai l'impression que les myrmidons ils se baladent. Ouais, il y en a deux. Ouais. Waouh, mais jamais on va y arriver là avec des verres comme ça partout. Finger on the trigger. Ça va encore bien se passer ça. Ok.
rest for the wicked. Alors. OK. Toi, t'es quoi, toi? T'es un mêlé? Ça, c'est quoi? C'est des vers de feu. Les vers de feu, quand on les tape, ils explosent pas. Donc, ça, c'est une bonne chose. Le problème, c'est que t'as un pistolet de merde. Et par ça, je veux dire le fait que... que tu utilises deux points d'action. Ah, attends, t'as ça. Mais c'est aussi un point d'action. Dégâts, perforation et paralysie. Intéressant. C'est sur une cible. Oh, attends, tu fais du saignement? Ah oui, non, mais non, j'ai tapé, j'ai cogné, j'ai pas tapé avec la lame. Ah, ok. On va devoir gérer ça, le fléau. Le fléau, il a quoi? Il est pas... Oui, c'est le truc à 90 de vie. Let's rock. J'avoue que c'est pas trop dangereux. On devrait pouvoir se le faire. Je voudrais bien par contre monter les échelles. Ouais, voilà. Monter les échelles pour détruire ça. Rolling out. Ok. Là, on a un anneau au-dessus. Faut qu'il descende parce que le venir le chercher, ça va être la merde. Ah! Ah, c'est vrai que c'est tellement gros. Ça va. C'est vrai que c'est tellement gros qu'au fusil à pompe, ça passe. Par contre, ouais, ouais, j'en étais sûr. Non. Ça, c'est saloperie, ça passe. Avant, on va pouvoir le tuer en mêlée. Oh yo yo. Oh yo yo. Putain, c'est horrible ces machins. Ah, c'était pas prévu ça. Ça peut aller. Ça peut aller. Alors, ah, y a toi là qui est dangereux. Salut. Voilà.
Alors, faut gérer cette merde. Putain, la vie, quoi. Ok, on a un autre qui est pas très loin. Hein. Il est là. Je peux faire ça, comme ça je peux lui tirer dessus au sniper. Ça va le tuer. Il a combien de vie? 300. Et me soigner. Mais lui, je vois pas comment le toucher en fait. Je vais voir. Ah, peut-être comme ça. Peut-être comme ça. Ok, on va faire ça alors. De toute façon, faut détruire le corps. Hein. Torse, ouais, torse. Pas le tuer, hein. Pas besoin de le tuer. Attaque successful. Oh la vache, c'est tellement résistant cette merde. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est résistant. Est-ce que au flingue tu les tues? C'est combien le pistolet de dégâts? 55. Ah, là, ça peut être mieux là. Il est bien ce pistolet laser. Là, on a un problème du coup. Y a peu de chances qu'on le tue lui en fait. Qu'on lui détruise le torse. Et après, il y en a quand même un qui reste là. Mais bon, on n'a pas 36 solutions là par contre. Parce que monter, ça me sert pas à grand chose au final. Ok. Alors toi, je vais voir si j'ai raison. Attends, par où tu passes? Ouais, tu prends des dégâts. Ouais, ça fait mal. Ça fait très mal. T'as plus de bras, plus rien, merde! Oh là là, oh là là! Toi, t'as pas de pistolet, par contre, ça va être un peu galère pour détruire les vers. Merde, hein, lui, je l'ai tué, en fait. Grosso modo, c'est moi qui viens de le tuer. Pourquoi c'est en bleu? Pourquoi tu... Bizarre, je crois qu'il y a un bug. Il me met toujours en bleu, normalement ça devrait me mettre en jaune, parce que il me faut deux points pour tirer. Bon, l'équipe devrait s'en sortir. On va aller combattre ça, nous. Toi, continue à tirer, ça fait bien mal. Je rêve ou la deuxième cartouche elle a rien touché? Ce
qui est pas mal, c'est que les vers de feu, je crois qu'ils font pas de... Oui, ils font pas de dégâts contre les... Contre les machines. Par contre, ça fait chier la nuit, là. Je l'ai brûlé, hein. C'est moi qui l'ai complètement brûlé, hein. C'est l'autre qui me fait un peu peur. Avec le pistolet laser, ça tue, hein, ça. C'est vachement pratique, hein. On fait juste à peine plus. Et on arrive à le tuer. Oh la merde. Ok, c'est pas mal. Ah, tu peux même plus te soigner non plus. J'avoue que ce feu, en fait, c'est ça qui te tue. C'est que tu peux pas te soigner. Tu perds tes bras extrêmement vite. Attends, avant de tirer un autre tir. Ça va. Ça a fait assez de dégâts pour le torse. Bien, il est où le troisième? Aïe aïe aïe. Ça. I'm on Overwatch. Je sais pas, parce que en fait, il va falloir qu'on soigne quand même notre mec. Toi, t'as plus de trucs. Je vais pas pouvoir. Je sais pas où il est l'autre vert. Ça c'est fou ça. Moving. Là? Genre par là. Bon, là je vois pas trop comment l'attaquer lui par contre. On va devoir faire le tour. J'ai un peu peur.
Je me demande si les vers comptent comme des ennemis. Ou alors c'est comme des tourelles. Honnêtement, je pense que ce serait comme des tourelles. Bon, en gros, c'était dangereux parce qu'il y a ces deux gros trucs, mais bon. Une fois que on s'est fait les verres, ça va, quoi. Il y a juste celui-là qui peut tirer, là, qui me fait un peu peur. Mais après, ça devrait aller. Attends, il y avait un truc, là, non? Ça va. Cinq, c'est quand même... quand même short, hein. Quand même compliqué à 5. Faut qu'on se soigne. On devrait pas les paralyser, ça fait des... Oui, mais on n'a pas de lieu pour maintenir les vers. Enfin, les pandoriens qu'on attaque, qu'on attrape. L'autre, elle est morte ou pas? Ouais, oui, elle va mourir. Ouais. Ok, c'est vide. Donc ça, c'est une bonne chose. Très bien. Alors. Très bien. Right there. Je vais rien dire. On a vu le tir passer, mais on va rien dire. Toi. Si je me mets là, est-ce qu'il va venir me chercher? Un peu peur de ça. M'étonnerait quand même. Acquiring target. C'est quoi, c'est un verre? T'as pas vu sur, je sais pas, plus de trucs, toi? Ah, sans deck! Bon, fou, quoi, ces tirs. Du coup, avec lui, on fait quoi? Kill confirmed, right? Ouais, ça c'était à prévoir. Bah, les vers de feu vont pas très loin. Là, peut-être par contre, oui. Ouais, ça fait mal. En fait, dans le feu, je sais pas comment il faut gérer le feu. Genre, faut pas bouger. Je crois.
faut attendre que ça passe. Je crois que c'est quelques tours. Parce que quand on marche dedans, ça fait plus de dégâts. Ah mon dieu, lui il a pas fini par contre. Ah, il me faut ses pistolets laser. C'est pour ça que je suis content d'avoir un pistolet laser. Ah mon dieu, il a pas fini en fait. Il lui en restait encore une charge. Aïe 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 aïe. Ouh, t'as merdé. T'as merdé le pandorien. Donc, qui c'est qui prend feu là? Voilà. Du coup, fais voir un peu ta vie. Ouais, va falloir que tu te soignes en fait. Enfin après, fais voir un peu au fusil à pompe si c'est pas mieux. Alors si je te mets tout dans la jambe, tu meurs, normalement. Voilà. Parce qu'avec ça, je pense pas que je le tue en fait. Target detected. Bon, faut bien jouer. Faut bien jouer surtout pour lui là. Non mais sans déconner. Aïe 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 aïe. Vous allez me rendre chèvre les mecs. Ah le gosse aussi ça marche bien. Ok très bien. Ok. Ready to fire. Il y a celui-là qui peut être un problème. Les verts, ils ont peur. Ils peuvent être. Non, ils ont pas de. Si, ils ont de la volonté. Est-ce que on tente de tuer celui-là du coup? Targeting. Ready to fire. Aïe 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 aïe. Du coup ça fait peur. Oui, du coup les gens ils ont peur. Bon. Fait peur au vert. Mais après le vert. Oui, bah non, j'ai pas l'impression que ça marche bien en fait. Oh, il va où lui? Ah si, il doit avoir peur lui. Ah si, je pense que oui. Je pense que oui. Oh, ils partent. Ils partent. J'ai pensé à ça aussi. Est-ce qu'ils prennent la retraite parce qu'ils ont pas de munitions ou pas? Bah apparemment si. Par contre, ouais, toi tu prends un peu cher. Donc du coup, soin. Il faut qu'on soit immunisé contre le feu. Je sais pas si c'est possible. Non mais sans déconner là. Sans déconner. Non, parce que là tu commences vraiment légèrement à me gaver. On va faire ça. Voilà, très bien. Donc du coup, il reste quoi? Il reste lui.
Je ne pourrais pas. En théorie, s'il part, je crois qu'on a fini. Ah non, il y a peut-être ces trucs-là, ils vont pas partir aussi. Parce que ils longent le bord depuis tout à l'heure. Très bien. Vas-y, casse-toi. Ouais, je crois qu'on est obligé de rester à cause d'eux, en fait. Ouais, non, en fait, faut pas bouger du feu, hein. Faut pas bouger du feu. Les dégâts de feu sont appliqués à chaque partie du corps, au début de tour, retirant des points d'armure. Retirant des points d'armure. Ouais, il faut tuer cela. Si on veut pouvoir partir. On va voir si on a besoin de te soigner parce que là, ça devient relou. Let's go. Right there. Ah oui, en plus ils explosent, putain de merde. Moving to position. Acquiring target. Ah, pas tous. Non, faut tuer les vers. Oh là là, faut tuer les vers. J'ai l'impression que toi tu vas pas sortir si je te soigne pas. Tu étais toujours en train de saigner. On va te soigner. Ça me fait un peu chier parce qu'on est près de la base. J'aurais voulu la laisser en fait, se soigner. Standing by. Moving as fast as I can. Mais bon, pas grave. Okay. Le feu s'est éteint. Zéro dégâts. Here. Donc du coup... Point de vie. Je comprends pas en fait pourquoi... Je comprends pas. Je sais pas si c'est pas un bug. Genre comment fonctionne le feu. Pourquoi là il y a écrit qu'on est aussi bas. Mais en fait non. Genre ça... What's the plan? Je comprends pas. Ou alors en fait c'est juste les membres. Ils se soignent pas les membres? Je comprends pas. Je suis perplexe. Je suis perplexe. Standing by. I'm on the move. How did that miss? Je sais pas, t'es nul? Oh mon dieu. No choice but to keep going. Eh ben, c'était limite, hein. La structure, elle a rien pris.
Ouais, j'arrive pas à très bien comprendre comment le feu fonctionne. Je sais que quand on court dedans, c'est la mort. Là, c'est suicide complet. Mais après, je sais pas trop. Genre, en plus, ils disent que ça attaque l'armure. Je sais pas, c'est très chelou. Entre ce que ça fait et ce que ça dit, c'est bizarre. Alors, Pandora n'a pas réussi à identifier son origine. Ok, ça marche. Nickel. Bon, bah bravo les gens. Tiens, ils sont montés de niveau. Badaboum. Mastodonte. Tiens, t'as inspiration et badaboum. Tu montes plus vite que que l'autre, que Rosa. Alors que Rosa, elle est là depuis le début du jeu, quoi. C'est énorme, comme j'ai dit, hein. On a quoi là? Tireur d'élite. Par qu'on prenne plus de gens, petit à petit. Là, cet endroit, ça va poser problème. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là. On va réfléchir sur ce qu'on fait là par la suite. L'Hélios, il redevient un peu proche, là. On a un peu. Donc, j'avoue qu'on pourrait faire de l'Hélios. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Bon, du coup, on n'a pas commencé les missions là que je voulais faire. Hein. C'est pas trop grave. On va se débrouiller autrement. On va pouvoir reposer les gens. Ils sont pas trop abîmés, rien. Donc, on va faire encore la même chose. On va rentrer à la base. Limite passer quelques petites heures, mais pas beaucoup. Fais voir le refuge. Je sais pas ce que c'est ça. 90% quoi? Genre abîmé. On va passer quelques heures ou pas du tout, on prend d'autres personnes. Et on va faire donc. On va enchaîner sur des missions de quête. Il y a ça que je voudrais faire. Une urgence inattendue. Je crois que ça va te débloquer. Si je dis pas de bêtises. Les modifications, les mutations, je crois. Le mutagène et tout ça, on va pouvoir l'utiliser. Parce que pour l'instant, on peut utiliser que ça. Bon, je ne l'ai pas encore développé parce que je sais, si je dis pas de bêtises, ça utilise des matériaux et de la technologie. Donc du coup, c'est pas vraiment quelque chose qu'on a en abondance. Le verre semble être une bombe incendiaire mobile et avec un objectif unique. Le verre caustique. Fusil à pompe. Le bouclier. Le bouclier, ça m'intéresse. Faudrait qu'on le teste à un moment. Ça, c'est anti-explosion. Courroux du nez. Ouais, ça, c'est de la rétro. Autopsie. Évolution pandorienne. Le nœud de cou. Ok. On est bon. On est bon. Qu'est-ce qu'on fabrique? Est-ce qu'on a des choses à fabriquer pour le moment? Je crois pas. Je crois pas. En armes, on a du gosse. Le Noraser, est-ce qu'on en a besoin pour le moment? Pas vraiment. On a le pistolet pour paralyser à la limite. Le Bulldog, on a, c'est bon. Ouais, il nous faudrait des armes laser, comme j'ai dit. Après, on peut faire un peu plus d'équipement, mais ça coûte cher pour faire des armures. C'est un peu le problème. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire une armure d'assaut en plus. Mais si, je dirais pas non pour avoir un autre véhicule. J'avoue. J'avoue, j'avoue. Est-ce qu'on peut faire une meilleure arme? Honnêtement, avec les doubles lasers, je trouve que ça se passe très bien.
Je pense pas que... qu'on fasse des... une bêtise par investir pour les doubles lasers. Et après, pour en véhicule, je pense, ouais, un autre Helios. Ouais. Mais ça se passe pour le moment, ça se passe. À quel jour. Mais voilà, on va essayer de se concentrer un peu sur les missions d'histoire et tout ça. On va peut-être d'abord, je voulais faire Chaos, mais on va peut-être faire Urgence Inattendue avant. Je pense. On verra. À la prochaine, merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao, ciao.